Thank you, Miguel Angel. Let me first Merci beaucoup. Start by saying je vais commencer en disant que je suis très heureux d'être parmi vous pour partager certaines des préoccupations par rapport à la région. Donc je n'ai que 8 minutes, je vais essayer d'être aussi bref que possible. Tout d'abord, vous nous avez invité pour parler des tendances au Proche-Orient. Je voulais soulever un point d'abord, à savoir que l'on saurait dissocier aujourd'hui le Proche-Orient, le Maghreb et le Sahel. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous faisons face aux mêmes défis, nous faisons face aux mêmes menaces terroristes, et aussi nous ne pouvons ignorer l'Europe en tant que principal acteur dans la région par le biais de sa politique étrangère. Je parlerai aussi de l'Europe un peu plus tard lors du débat. Mais comme vous l'avez dit, la situation aujourd'hui dans la région est vraiment chaotique. Nous avons de nombreux complexes auxquels nous faisons face. Le monde arabe est en train de s'effondrer. Et aussi, aujourd'hui, nous n'avons pas les instruments nécessaires pour pouvoir gérer ce conflit, que ce soit au niveau du Maghreb ou au niveau du Proche-Orient. Donc, nous devons avoir des outils, des instruments pour pouvoir faire face à ces défis. Aussi, son conseil de sécurité n'a même pas été à même de pouvoir gérer ce genre de problème. Donc, nous n'allons nulle part. Mais je vais me limiter à trois tendances. La première tendance, très brièvement, ce sont les conflits en cours. Malheureusement, aujourd'hui, la Syrie, l'Irak, la Libye et le Yémen sont en train vraiment de sombrer et il n'y a aucun État en fait qui peut imposer des solutions, qui peut promouvoir le développement, qui peut promouvoir la démocratie ou proposer même des solutions à ces problèmes. Car le problème auquel fait face notre région, c'est le problème d'identité entre les Shias et les Sunnites, les Shias et les Sunnites. Donc aujourd'hui, le Proche-Orient est une des rares régions, et ça c'est le deuxième point, any semblance of regional security, qui n'a aucune architecture de sécurité, même au niveau économique, au niveau de l'ordre public. Nous avons échoué au niveau de la Ligue arabe. Nous n'avons pas mis en place de mécanismes de sécurité, même des mécanismes tels que le GCC ou l'Union du Maghreb uni n'ont pas pu aller de l'avant et résoudre les conflits. Nous l'avons vu dans le cas de la Libye. Malgré les accords, nous n'avons pas été en mesure de promouvoir quelques solutions, que ce soit pour résoudre ce conflit. Mon autre collègue parlera bien sûr de la question palestinienne, qui reste toujours non résolue et qui a été reléguée maintenant à la hiérarchie des priorités. Malgré ces rapprochements entre Hamas et le Fatah, est-ce que l'on va de l'avant, vraiment? Au Proche-Orient, mais peut-être que mes collègues plus tard reviendront sur ce point. Mais nous faisons face à un manque de leadership, un manque de vision et un manque d'engagement, non seulement de la part des acteurs, mais de la communauté internationale. Donc nous ne pouvons pas aller de l'avant aujourd'hui pour résoudre la question israélo-palestinienne sans avoir ces trois préalables, l'engagement, le dialogue et le leadership. Et est-ce que la stratégie des deux États est toujours valide aujourd'hui, ou est-ce que les partis sont toujours engagés à ce genre de solution? Ce qui me mène à une question, à savoir pourquoi est-ce que la communauté internationale n'a pas réalisé cela? Pourquoi est-ce que l'on est toujours très divisé au niveau des approches et des méthodes à adopter pour pouvoir résoudre ces conflits? Miguel Haren, il y a 21 ans, il y avait seulement un conflit au Proche-Orient, à savoir le conflit israélien. Maintenant, nous avons tout un nombre de conflits. Et nous avons aussi de nouveaux acteurs dans notre région, à savoir les mouvements terroristes. Donc, aujourd'hui, l'Union du Maghreb n'a
pu rien faire jusqu'à présent. Donc le Maghreb ne peut pas répondre de résoudre ce problème à cause donc du manque de vision et de leadership. La deuxième tendance, c'est la question de mauvaise politique et le problème de développement économique et social dans notre région. Parallèle à ce déficit en gouvernance et au manque de développement, eh bien, cette question n'a fait qu'empirer. Si on ajoute à cela le problème de coopération régionale, la faiblesse des institutions, les mauvaises politiques, encore une fois, nous n'avançons nulle part. Donc, je ne peux pas développer car nous n'avons pas assez de temps, mais le monde arabe aujourd'hui a besoin d'aide pour s'adapter au contexte actuel. Cet ordre ne saurait être basé sur un langage commun ou des valeurs communes, mais plutôt devrait être basé sur la promotion du développement économique, de la création d'emplois, car après tout, ce qui est important, c'est le nombre d'emplois que l'on est en mesure de créer et pour ajouter la croissance de nos pays. Malheureusement, aujourd'hui, selon les chiffres au niveau international, le niveau de croissance dans le monde arabe est vraiment très faible, une moyenne de 2% durant les dernières années. Alors, ça me mène à la troisième question, à savoir la menace terroriste. C'est une menace commune à toute la région. Ils visent en fait à créer ces mouvements visent à créer leur propre entité. Et nous avons été en mesure de vaincre et de combattre contre le Daesh, ISIS en Irak et en Syrie. Mais ça ne suffit pas au niveau militairement. La sécurité est importante, bien sûr, mais comment est-ce que l'on peut combattre le Daesh au niveau idéologique? Et je vais faire quelques propositions, si vous me le permettez. Alors, pour répondre à la question du terrorisme seulement dans le prisme de la sécurité ne suffit pas. Car cela comprend également des risques. Et ceci confirme qu'aucun État, aucun gouvernement seul peut faire face à ce défi. Nous devons travailler ensemble pour assurer la sécurité et la stabilité dans la région. Et pour ce faire, le dénominateur commun, je pense, est de travailler ensemble avec une vision commune pour résoudre tout d'abord, bien sûr, les conflits. Et malheureusement, aujourd'hui, il me reste 59 secondes, oui. Alors, le dernier point pour moi, c'est que nous ne devons pas blâmer la communauté internationale ou nos partenaires. Il faut que nous fassions notre propre travail nous-mêmes dans notre région, et ce, dans le domaine de la bonne gouvernance, de la démocratie, etc. Donc, vous m'avez invité pour parler du Maroc. Alors, comment avons-nous pu aller de l'avant dans cette région? Eh bien, tout d'abord, c'est grâce à la sphère politique, tout d'abord, qui a fait preuve de stabilité au niveau national et au niveau de la région. Et il a adopté donc les outils de transparence et de bonne gouvernance pour aller de l'avant. Le deuxième point, c'est le développement économique. Le développement économique signifie aujourd'hui que la plupart des pays arabes font face à des problèmes par rapport à l'intégration de la jeunesse. Et en guise de conclusion, je dirais qu'aujourd'hui, nous avons besoin de réponses collectives sur la base de ces trois points. La sécurité, bien sûr, qui est un point très important, mais aussi donc l'aspect politique et la bonne gouvernance. Alors, comment lutter contre le terrorisme? Bien sûr, on peut lutter sur le plan militaire, mais cela ne signifie pas. Le plus grand défi dans notre région et dans le monde arabe aujourd'hui, c'est de déconstruire donc le narratif des djihadistes. Et aussi, bien sûr, de suggérer un narratif différent. Ce qui ne peut être fait que par le biais d'experts, les oulamas, par le biais d'une approche inclusive qui rassemble tous les différents acteurs, à savoir la jeunesse, les femmes aussi. Et c'est ce qui est très important. Et c'est ce que nous avons fait dans notre pays. Je conclurai en faisant référence au discours de Sa Majesté lorsqu'il a dit qu'on a besoin d'un nouveau modèle de gouvernance dans notre pays. Car il est vrai que nous avons
fait beaucoup dans notre pays. Nous avons beaucoup accompli en matière de démocratie, etc. Mais encore une fois, aujourd'hui, il nous faut penser à la façon donc d'adapter nos instruments pour assurer encore plus de gouvernance, encore plus pour assurer encore plus de transparence et pour créer des emplois. Car comme Sa Majesté l'a dit, eh bien, les Marocains ont besoin également d'un système judiciaire efficace. Et un secteur public aussi efficace, donc bien que nous ayons accompli des progrès tangibles, il nous faut admettre que notre modèle de développement national doit être mis à jour en prenant en compte, bien sûr, les attentes de nos nouvelles générations.